Il l'a fait, les gars. On dit la fond, il est refait. Je suis mort. Allô, c'est moi, c'est le Dino. Yup tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soirée sur Fortnite. Non, je troll pas. Une soirée comme à l'époque, les gars, il va y avoir du Master Kill, il va y avoir du Royal Rumble. Regardez, aujourd'hui on commence à l'heure. Bon, on sera très bien accompagné, forcément, il y aura mon compère Dwag que je vous montrerai après parce que je dois vous raconter un petit truc avant. Mais on est aussi accompagné de deux gros monstres que vous connaissez tous de la communauté Fortnite. Je pense. Salut Kin. Salut toi, Gota. Ça va? Ça va et toi? Ça va impeccable moi. Bah, on t'a vu il y a pas longtemps toi, hein. Tu nous avais raconté des trucs, etc. Tu nous en diras plus tout à l'heure justement. C'est vrai. Tu nous avais raconté quelques intels. On a vu ton parcours, tout ça, départ de Solary, tout ça, tu nous raconteras un petit peu, je sais que ça se passe très bien pour toi là en perso. Et à côté, on a notre ami Skyte. Skyte, ça fait très longtemps que je t'avais pas vu. Ça fait très longtemps, effectivement. Ça va bien? Ça va super, et toi? Bah ça va, en ce moment je te vois pas trop spam Fortnite, je te cache pas que je te vois plus jouer à Sans Zedin qu'autre chose. Ouais, j'ai une petite passe du jeu, parce que là ça fait... c'est dur un peu de jouer qu'à Fortnite. Donc, à Sans Zedin, ton jeu de base, hein, moi je me rappelle que je te payais des cash prizes, des skins et tout sur à Sans Zedin à l'époque où tu gagnais des tournois, mais bon, je pense qu'ils sont trop jeunes pour avoir suivi ça pour la plupart. Et je te vois pas mal spam le jeu, et bien sûr il nous manque notre hôte, rappelez-vous les gars, il avait perdu un fautif, et effectivement vous aviez voté, vous deviez choisir entre un costume sur Twitter. Est-ce que c'était un costume de dinosaure? Regardez Dwag qui va arriver tranquillement. Regardez-moi ça, il l'a fait les gars, on tient nos promesses. Il a fond, il est RP, je suis mort. Casse pas, hein. Attention à toi. Attention les lumières. Casse-qu'un, t'as une grosse queue, tout ça. Tu peux t'asseoir avec ça? Je crois pas. Non, parce que tu dois faire une game avec ça. Au secours. Tiens, prends ton prends ton casque. Tu peux te le mettre ou pas? Tiens mec. Allô, c'est moi, c'est le Dino. Eh, en vrai, c'est quand même blindé d'air. Attends, mais j'ai un gros cul, attends, non? Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Excuse-moi, tu peux me placer mon cul? Ouais, prends ma queue. C'est comme ça. Ouais. Oula. Ouais, c'est compliqué en fait. Oula. On est bien là. Hey, au moins ça me fait une projection dans 10 ans comment je vais être quoi. Ça va tellement mourir de chaud. Une game, pas toute une la soirée. Game, les gars, soyez indulgents sur le chat. C'est le défi, on assume. Parce que déjà au loco, je vous assure qu'il fait déjà bien chaud. Il l'a fait. Non, vas-y, une game comme ça me va, c'est mon défi, mesdames et messieurs. Désolé de vous accueillir comme caméra, ça. Kin et Skype, vous avez rien à voir avec tout ça, mais il va falloir quand même me prendre au sérieux. On va parler de sujets très sérieux aujourd'hui. Hein. Bien évidemment, avec tout ce qui se passe dans votre quotidien. Mais comme l'a dit Gota, c'est surtout le retour d'un gros Master Kill des familles. Content quand même de revenir sur un Master Kill. Ouf, ça fait grave longtemps en plus. Ouais. Ah, ça va être dur, du coup, vu que tu joues qu'à en ce moment. Ah bah là, ouais. T'es quand même confiant? Non, pas du tout, non. Après, non, tu devrais. En vrai, il y a Dwag et moi pour. Ah, au Master Kill, ouais, ça devrait le faire. T'as déjà la tête plongée dans le Royal Rumble, parce que ça a été annoncé sur Twitter. Il y aura un Royal Rumble spécial pro juste après le Master Kill. Ça sera en deuxième partie de soirée, donc on est vraiment sur une des émissions à l'ancienne. Ça me c'est vraiment old school, j'ai dit sur Twitter old school. Et on se rappelait des souvenirs, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais nous, ça nous a fait rigoler juste avant le live avec Kin et Sky. Tu te rappelles de ces moments où il y avait les 80 000, 100 000 spectateurs et que nos débats c'était. Ça compte ou pas parce qu'il a tiré avant la fin, tu sais, quand il restait 10 secondes. Il reste 5 secondes. Vite, fightez-vous. Aïe. Viens. Les gars, tirez 10 9. Et tu sais, je me suis rappelé qu'on était nous archi premier degré. Mais quand tu prends du recul, t'as des mecs, c'est un tournoi. Ils sont en mode 19. Et à la fin, c'est en mode ah, il a quand même engagé le duel, les gars, 5 secondes. Ah, il a engagé depuis 4 secondes. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, pour le Master Kill, bah, il y a des règles, forcément. Et on a prévu ce qu'il faut pour vous les rafraîchir. On regarde les règles. Et à partir du moment où on revient, on est dans la mentalité Master Kill. On envoie la première game. Et vous allez voir, il va se passer plein de choses. On aura plein de sujets intéressants à aborder avec Kin et Sky qui sont nos invités. Les règles Master Kill et ça démarre. Bonjour à tous et bienvenue dans le Master Kill. Je suis sûr que vous connaissez les règles, mais un rappel ne fait jamais mal. Le Master Kill n'a qu'un seul objectif, faire plus de kills et de réa que ses alliés, usant de skills et de stratégies toutes plus fourbes les unes que les autres. Le principe est simple, en début de partie, vous allez voter pour le joueur qui va, selon vous, faire le score le plus bas. Le perdant paiera la somme des kills et des réa à un viewer l'ayant sélectionné. Pour les points, les kills et les réa valent un point chacun. Si à la fin de la partie, il y a égalité, le perdant sera déterminé par un chiffre mot. Plus il y a de games joués, plus le multiplicateur de points augmente. Et donc, la somme à gagner aussi. Tous les coups sont permis. C'est parti pour Master Kill. Allez, on est de retour, mesdames et messieurs, vous avez compris les règles, hein, les kills, les réanimations. Alors bien évidemment, il y a des petites subtilités comme les plaques, les bus, bien évidemment qu'on ajoutera. Celui qui ramasse la plaque, c'est un point. Celui qui l'active au bus, c'est un point aussi. C'est la même personne, ça lui fera deux points, donc tant mieux par justement personne réanimée. Et à part ça, bah voilà, vous avez compris, on va suivre les scores de kills, les scores de réanimation. Et celui qui a fait le moins bon score payera au chat cette somme en euros. Alors Gota, toi, pendant le petit trek, t'avais mis l'idée d'avoir peut-être un bonus. Bah je pense. Très rare de voir Gota dans cette position. Alors, de base, j'allais nous mettre tous les deux au même pied d'égalité, mais vu que
t'as ce costume. Je suis quand même nerfé. Logiquement, je pense que vous nous battez quand même avec ça. Je pense que Doig il est au moins en x3 et moi je suis en x2. Doig lui x3. Attends, pose-toi là vite fait. Vas-y, pose-toi. Comme si tu jouais là. Moi je joue comme ça quoi. Vas-y, bah x3 là, x3. Ouais, x3. X3 pour Doig. X4. Voyons, il y a des limites. Ok, x3. Un petit x3. Ah, sympa. x2 pour Gotaga. Un x2 pour Gotaga. Ouais, un x2. Ton pseudo revient pas mal malgré le bonus. Voilà, je Non, mais c'est bien de le rappeler parce que peut-être qu'ils l'ont oublié. C'est-à-dire que si je fais 2 kills, Kinstar ou Sky doivent en faire 6. Si je fais 3 kills. Ça va vite, Sky. En vrai, moi, une game à 4 kills, je suis sûr de pas payer quoi. Ça va très très vite. Et ça va vite. En fait, ça va vite. En fait, ça va très très vite. Je pense vraiment, c'est pas sûr. Je crois que tu vas le garder toute la soirée. Le quoi, le costume ? Le costume ? Ah bah, si je garde le bonus, ouais. La vie de ma mère. Bon là je pense que tu peux passer sur nos PV. Alors moi il y a des armes que je reconnais pas du tout. C'est des armes primitives hein. C'est quoi des armes primitives? C'est des armes de blédard on va dire. Tu peux les améliorer et tout avec. Tu peux les améliorer ouais. Ah, ouais c'est un bot aussi non. Bien joué Doig, t'es chaud. Moi c'est pas un bot ça. C'est quoi ça, c'est un boss? Ouais il y a un boss sur toi normalement. Avec le pompe épique. Ah attends il est bugué. Fais gaffe, il peut te one-shot très très vite. Hein. Attends, il s'est téléporté là. Enfin, jamais vu. Sky qui oublie pas les règles du jeu, qui vient de récupérer 2 points. Non, c'est Kin la plaque. Kin la plaque. Ouais, c'est moi la plaque et l'Aria c'est pour Sky. Tiens, je te mets des mini parce que vraiment je t'aime bien. Merci Sky. Non, laisse-le moi frère, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, t'es un joueur pro. Bon, allez, je suis gentil. Quoi? Oh, merci. Oh le frère. Ah ouais, les groupes se forment déjà. Parlons-en cette saison, tiens, si quelqu'un veut nous faire une petite présentation. J'ai un petit peu le résumé de la saison, c'est qu'ils sont un petit peu revenus dans le temps primitif. Et en gros, il y a des armes qui sont introduites dans le jeu. En gros, c'est des armes, on va dire, dans le temps primitif. Et ces armes-là, tu peux les upgrade via un tableau de craft dans ton inventaire. Normalement, si tu vas dans ton inventaire, donc I ou Tab, selon votre touche, vous avez inventaire à gauche et fabrication à droite en appuyant sur E ou Q. Et si tu vas dans fabrication, t'as deux types de matériaux. T'as fragments d'os d'animaux. J'ai l'impression qu'on est en OP sur Fortnite. Et ensuite, t'as le cratère Gotaga, les gars. Et ensuite, t'as des pièces mécaniques que tu peux choper sur les véhicules. Et en fonction de l'upgrade que tu fais, soit tu améliores en une autre rareté d'arme primitive ou juste une autre type d'arme primitive, ou sinon tu upgrades pour refaire devenir l'arme comme elle était avant. Voilà. Ok, j'ai pas tout compris, mais genre là, si je veux une air bleue, là, c'est quoi les matériaux que. Bah, va dans ton inventaire, voilà, tu peux faire ça, mais aussi l'air bleue en dessous. Et l'air bleue, il te faut 4 pièces mécaniques, et ces 4 et pièces mécaniques là, tu peux les avoir sur des voitures, tu pètes des trucs de métal, des boutiques, enfin des boîtes d'outils, etc. Mec, comment ça t'as des failles? Non, t'inquiète, y'a rien. Non, go! Sky! Oh, je suis mort. Oh oh. Oh, je lui ai mis une balle, Sky, je lui ai mis une balle. Mais vas-y, mais Doig B, c'est un farmer à pont en fait. Non, en fait, faut traîner avec lui. Après, tu vas comment là-bas? Il est éclaté, mais je comprends pas les armes, mais ça va me prendre un peu de temps. Mais c'est ça, Sky! Après, j'ai pas de points, les gars, j'gagne rien moi. Ouais, mais tu t'es en train de feed Sky en fait. Oh, il est trop fort lui. Sky, ça te rush? Bien, mec. Ouais. Franchement, c'est la foi, hein. Je vais payer cher. Mais du coup, le fait que genre tout le monde soit sur le même pied d'équité et que tout le monde ait des pompes, ça les gens aiment pas en général. Genre, c'est unanime dans la communauté ou Bah, c'est bien, mais est-ce que c'est bien de jouer qu'avec des spas, tu vois? Tout le monde a des scars et des. Bah, tout le monde a des scars et des pompes. Scars et espaces d'os violets. Okay. Ouais, et du coup, ça rend les lobbies plus random. Bah, en fait, avant, t'étais récompensé d'avoir un spas. Ouais, par exemple, quand tu pouvais améliorer, que tu perdais tes masses, tu vois, donc t'avais un spawn plus cheaté. Maintenant, genre, n'importe qui peut avoir un spas, quoi. Attendez, les gars, parce que Kin là, il est en galère. Ah, c'est compliqué. Non, 4 mecs. Bah, attends-nous, Goto, Pierre. Tu t'en sors? Il en avait un pour l'instant. Okay. Essaye de retake le wall. Attention! J'arrive. Hein. Aïe. Ouais, j'en étais sûr. C'est pas ton sol. Ils sont 4. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, Doc? On va prendre la tiro. Bah si, mais mets du build. J'ai pas le réflexe de construire. Et tu trouves pas lent une game? Si, en fait, c'est quand on joue 3 Apex Warzone, tout ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment. C'est un pompe mythique, hein, Skyte. Hein. Et il y en a qui ont des spots 12. Skyte, s'il te plaît. Non, en vrai, ils avaient pas l'air bons, Skyte. Pour un mec comme moi, c'était dur, mais pour toi, je pense que. J'ai pas joué depuis longtemps. Oh bah, c'est terminé pour moi, Skyte. Mais gros, je me prends des trucs, je sais même pas ce que c'est. Ah bah, c'est Doig. Ah ouais, mais gros, c'est terminé. Vas-y, Doig, franchement, Doig est mort. Vas-y, fightez-vous les refs. Hein. Moi, franchement, j'ai 2 points à gagner là. Oh là là, Skyte qui rajoute. Qui rajoute 10€, parce qu'on rappelle, les gars, que c'est une fois 5. Non, il a pas réagi. Je comprends, là, je suis tellement perturbé là par la saison. Je comprends rien. Fais gaffe, Skate. Il a un Skate, Bah, je suis mort par quoi? À part le feu. Nickel. Ça va être compliqué, mec. Hein. Ouais, d'accord. C'est une arme avec 10 milliards de blooms encore. Ouais, bah, je peux rien faire. Là, je vois toi. On est quand même sur une grosse game hein, pour démarrer. On est à 18, mesdames et messieurs. Je te confirme que là, il y a que moi. Ah, et si on fait top 1, tu payes pas? Ouais, top 1, on paye pas. Kinstar! Okay. Kinstar qui peut peut-être nous sauver! 1 contre 5! Te sauver. Oui, mais on est une équipe. Et tous ceux qui n'ont pas confiance en Kinstar, vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Regardez directement, il y en a un qui est au sol. Tout le monde a confiance à chaque fois qu'il vient, de toute façon, il clutch. Non, mais je sais pas, ça parle mal sur le chat, mais regardez à qui on a affaire! Zirok qui nous dit il est pas capable de le faire, il est trop nul, Kinstar. Bah, tu vas voir, frérot! Comment ça, tu parles mal de Kin? Y'a Daiking qui dit on dirait le bon vieux temps, mais c'est juste qu'il a plus son niveau. Mais comment ça, il a plus son niveau? Mais il a pas dit ça. Eh, hey, mais Kin, tu vas laisser parler sur son. Si jamais Doig te mord. Ouais, il te mord clairement. Il est grand malade, il veut respecter notre invité là. Doig, moi ce que je te propose.
propose, c'est que de doubler la mise. C'est une fois deux si jamais. Tu vois, parce qu'il propose quand même du beau jeu. Ah, mais 100% les gars, j'ai une confiance aveugle en Kinstar. Ok, donc fois deux. Tu m'aurais dit Skype ? J'aurais hésité. Ah, ok. Mais King, gros. Ok, vas-y, vas-y. Les gars, on laisse se focus. On parle plus. 800 villes. Allez, 2-1. T'es toujours sûr là ? Allez ! T'as 500. Non. Nice. Non, mais y'a pas le mode arène, putain. 400 et tu peux mettre des mini. Nice. Oh mon dieu ! T'as 152 bulles. J'entends pas où il pêche en fait. Mais je te comprends, hein, c'est bizarre les sons. Hein. Ouais, t'as vu ? Nice. Nice. Non ! Oh, le 2 HP ! Le 2 HP d'une vie ! Oh, quitte. Jamais il passe. Ils se sont réa, ils sont 3. Non, x 2. T'as été un crack. Hein. En vrai, c'est impossible. En fait, en arène, c'est sûr que tu le faisais. Mais ça, les maths, ça part trop vite. Et tes maths, ils ont fondu. T'avais 1000. Ouais, ouais, j'avais 1000, c'est parti en 2 secondes. En même temps, ils spammaient de partout. Wow, c'est du beau jeu quand même que tu nous as proposé. Mais je suis quand même content, du coup, x 2. C'était pas la première game ? D'accord. Tu veux qu'on fasse un instant triplé carrément ? C'est vrai qu'il y a ça. Je tiens à confirmer qu'effectivement, aucun viewer n'avait mis en doute ton niveau. J'avais fait exprès de dire ça pour te motiver. Tu fais quoi ? Tu restes avec le costume ? Ah, moi, je reste là, je suis bien. Tu restes ? Ah, ouais, je suis bien. Ah, parce que tu veux garder Game Bonus soit 3. Oh, ah ouais. On est parti pour la game numéro 2, mesdames et messieurs. Super ça. Oh, le coup de molette. Oh, le j'ai coup même pas de fait molette. Le coup de molette. Et tu viens de me rappeler que j'ai la molette, c'est vrai, putain. Bah, je me suis dit, tu m'as fait un cadeau juste avant. 100% tu me le refais pas le cadeau. Donc, donc là, va falloir être réactif quoi. Attends, mais ça sert à quoi le poulpe en fait Je crois que ça casse les constructions. Le poulpe, ah, le poulpe c'est un C4. En gros, tu poses le poulpe sur une construction. Normalement, ça se colle. Ça passe toit, à travers ça se colle au toit et au mur. Et en gros, en fonction de type d'arme que tu vas tirer dessus. Donc, imaginons, tu prends un space, tu tires dessus, ça va mettre 200. Et en fait, le poulpe va mettre 200 de dégâts. Ça va mettre les dégâts de l'arme que tu as tiré avec en fait. Il y a ça en compète là ? Il y a ça en compète, Whiskey, donc. Oh, on est sur un fight là. Allez, s'il te plaît, mec, il y a les streamers qui vont me tomber dessus, tu me fais pas ça quand même. Ta petite voix là. T'es bien Skype ? Ouais, je fais 2 kills. Ok, nickel. Ok, les gars, je peux venir ? Je peux venir ? Ouais, t'inquiète, il y en a un là. Ah, attends, Skype, va prendre la poule. Ramasse ça, tu peux la ramasser, tu vas voir. Elle vient pas, elle vient pas. Vas-y, prends-la. Ok, mets-toi là, Skype, et je vais te foncer dessus, regarde, fais-moi confiance. Mets-toi là. Non, tu es envoyé dans la zone. T'inquiète. Ouais, c'est incroyable, c'est la go de retard. Mais y'a un mec qui est en train de voler avec une poule à côté de moi aussi. Viens, Kin. Toi, viens, vas-y, moi aussi là. Oh là là. C'est abusé. À l'aide. T'es où, Gota ? Ah, t'es vraiment loin. Oh, oui, t'es très loin. Mais oh, j'avais plus de balles dans le pompe. Oh, je suis dégoûté. Par contre, ils ont un pompe légendaire, faites gaffe. J'en ai fini un, moi. Ok, nickel. Ouais, je les vois, les trois là. Tu veux des kills, vas-y maintenant, parce que sinon, ils vont tous les tuer. Là, tu devrais le rusher là avec des SMG, gros. Un coup de pompe, hop, switch SMG, droit. Ils vont tuer tout le monde sinon. Prends-moi Skype. Ouais, j'arrive. Oh mon rêve. On a pas réa à Gotha encore ? Si. Non, je m'en occupe. Mais non, le réa pas ici. Non, je crois que si tu me réa. Mais non, c'est dans le gaz. Là, c'est pas vrai. Deux par deux après. Hein. Ouais, monte, Doug, monte, on le réa à la sortie. Mais Doug. Doug, viens. Non, t'as pas à tuer ça, c'est du hit. Va mourir. Tu me tues volontairement. On va tous quand même ça après. Déjà là. Tu te notes moi. Bah ouais, mais bah tu le réseras si t'arrives à être premier. Que je te le dis, il y en a un, il va courir sur le bus. C'est très mal qu'on va devoir se battre. Franchement, Doug, je trouve que t'as rien fait pour moi, donc je pense que tu m'as fait. Ah non, mais de toute façon, là, ce soir, je vais être là. Oh, Doug! Oh, c'est terrible! Et Doug, t'es pas mal les mécaniques, hein! Alors, on a essayé de bloquer le Skytos! Yes, sir! Merci, les copains! Il... Kin, un petit truc, non? Je te trouve split mes balles si tu veux. Et j'ai vu 6 mini popos. Ah, oui, mes balles, attends, tiens. Mets-toi bien, attends, tout le monde, t'es pro, toi! Ah, oh, ouais, carrément la grosse! Franchement, la grosse, j'avais pas te la demandé, j'avoue ah, que. T'inquiète jamais bien, je te mets bien. Quel frère! Oh, il y a une meute! Ok, Doug, 2 kills. Ça donne du shield ça au moins ou pas ou c'est juste des HP? Ça c'était tellement vite, putain. Putain mais il tue tout le monde Kin là. Non pas du tout, j'ai juste fait un kill. Oh toi qui l'a fait un kill? Non. Oh le level. Non, les gars, laissez le réa. Ah, j'avoue, réa. Vas-y on y va. Laissez réa le kill de Doc. Ouais mais il va jamais réa, regarde-le. Si. Il est en train de réa là. Mais wesh réa. Non, il a eu son kill! Bien sûr que j'ai eu mon kill! Oh non! Oh, super. Avec vos conneries, j'en avais un deuxième! Rien. Attends, mais c'est le dernier que tu tues là! Non, même pas! C'est le dernier sur Doug là! Oh, mais Let's go!
fait 2 kills. Attends, j'ai fait un kill à la fin, moi. 2 kills, ça fait 6 pouces d'os. T'as un kill. T'as un kill. Non, non, j'en ai 2. Je joue en firme dans ma map, t'as un kill. T'as un kill, Gota 2. C'est moi qui ai le dernier. Oui, c'est Gota qui l'a eu. Il y a la confirmation sur mon écran, si tu veux. Oui, oui. T'as vraiment. T'as eu la dernière match, t'as chiant. J'ai eu le kill à la fin, j'étais en mode let's go, je crois que tu te battais contre là-bas. C'est vrai que je suis en dino, je m'en rends pas compte. Des mecs, enlève-le, non, et tu passes en fois de commun. Non, je préfère le point. GG les gars, 2 games joués, 1 game perdue et donc payée, 1 game top 1, donc félicitations. On peut se dire à partir de maintenant, chaque top 1, au pire, le perdant paye la moitié de ce qu'il doit payer. En fait, j'ai peur qu'avec cette squad, on fasse que top 1. Je vous rappelle aussi, hein, gros enjeu aujourd'hui, il y a un PC à gagner sur le Twitter de Gotaga, c'est le Asus ROG, le Strix G15, si vous voulez regarder sur Google ce qu'il a comme, petite performance. On relance, on relance, messieurs. C'est trop bizarre parce que tu fais une hashtag ad avec ton costume là, comme ça, ah, mais gros plan. Moi j'oublie. En fait, moi je me vois pas, donc j'oublie tout ça, mais. Tu imagines le mec du commercial, tu vois, Asus ROG, ouais, il est en mode. On a pas mangé ça. Regardez, c'est lui qui vend notre produit, là, regardez. Salut. Et là, il voit un dino, tu vois, il comprend pas ce qui se passe. Salut, mais... Salut. T'es quand même très très fort. Moi, je pense qu'à ta place, je serais déjà mort de chaud. Ouais, pense. Mais vraiment. Rien tant que regardant, je commence à vraiment avoir une petite chaleur qui arrive là. Eh, tu te donnes chaud là. Ah bah, enlève ton pull, frère, parce que moi j'aimerais pouvoir l'enlever. Hein. Vous avez chaud, vous? Moi, je commence à avoir, je pense que j'ai peut-être enlevé mon pull. Bah, en vrai, on peut mettre la clim. Ouais, il y avait une. Je crois qu'il y avait une fuite à un moment, c'est pour ça qu'on l'avait pas. On la met pas, mais au pire, on la met après. Mais vas-y, mettez-vous à l'aise. Eh les gars, on est en famille, on est chez nous, mettez-vous à l'aise, on a rien à cacher. On a rien à cacher, bordel, mais c'est quoi cette merde? Here I come. Mais déjà le spawn, à part le pompe, je le trouve un peu nul. Je sais pas ce que le spawn est trop nul. Ouais, s'il te plaît. Bah, à part le pompe. Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. Amène-nous dans une autre ville. Le point fort du spawn, c'est vraiment le pompe mythique. Mais si tu veux aller à un spawn où tu veux faire d'espace, on peut aller dirty, lazy. On peut aller lazy. Lazy, c'est très bien. Okay. Moi, j'ai ça pour lazy. Attention à vous, il y a lazy, il y a que des warriors. Ok, bah on est averti. Le problème, c'est que quand tu prends le pompe au début, vu qu'il y a que 2 balles, t'es mort en fait. Bah ouais. Bonjour à toi, mec. Mais pourquoi ils gardent pas le pompe chasseur, ils restent et puis on en parle plus, genre. Skye, t'es bien? Ouais, je suis bien, je vais aller à Gotha. Ok, nice. Putain, mais t'as fait un kill. Ils sont en train de raise. Ok, j'arrive, Skye. Ah, mais je pourrais pas raise Gotha du coup là. Faudra attendre un tout petit peu. Un tout petit peu? Ok, ok. J'arrive, Skye. Ligne droite dessus, frérot. Je te fais confiance. Moi? Ouais, je te fais confiance, frérot. Wakin, t'es un fou, gros. Qu'est-ce que je suis monté avec toi, moi? Ok, mais. 6 HP, les gars. Mégalo sur toi, Kin. Ok, lui, il est à terre. Doc, t'as tué quelqu'un? Il a manqué. Voilà, il est mort. Ah, mais ce con, j'ai pas le temps de les trouver. Quelqu'un reste Gotha? Non. Regarde les spam click. C'est jamais la res, ça se fait en même temps, les gars. C'est le premier grand qui a la res. Hein. Ça va vraiment jouer à la millième de seconde, je pense. Interdit, Gotha! Interdit, Gotha! Il... Oui. Non, mais y'a tricherie! Y'a tricherie de Gotha! Non, mais y'a complot! Mais je voulais voir ta souris Logitech, parle-en-nous! Parce que moi, je suis chez le Zestery, j'adore les produits, mais c'est vrai que je voulais voir un peu ta souris Logitech. T'es un tryharder, j'ai que 3 points, gros, sérieux! Mais pourquoi t'as arrêté de res? Pourquoi t'as arrêté? Souris, je crois que c'est un bug de souris Logitech. C'est pour ça qu'il faut aller chez SteelSeries. Des fois, elle pointe vers le haut, tout seul. Qu'un veut du shield, non? Moi, je suis preneur, s'il te plaît, mon meilleur pote. Ils nous mettent bien quand même dans un mec. C'est eux qui sont confiants, gros. En fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, ils nous font nous battre, tu sais, on est leur. Ça va, on vous divertit? Ouais, franchement, ouais. Nickel, hein. T'as changé nos soirées. Des crapauds, là, tu peux pas faire un truc avec les crapauds? Pas un arc puant, ouais. T'as une poche puante, si je dis pas de bêtises. Ok, et il en faut 4, je suppose. Non, un seul. Ah, donc c'est ça, les arcs puants, là? Ouais. Genre, comme les puantes, c'est trop cheaté, ça. Il y a des mecs en hauteur, on est d'accord? Non. Ouais, va aller chercher, mec. Si. Vas-y, fonce, mon gars. Fonce, Rugby, fonce. C'était kill, va les chercher. C'est magnifique ce que tu fais, Kin. Mais c'est nul l'arc qui pue là. Bon. Vous avez besoin de moi? Ouais, okay, ouais, y'a les mecs. Voilà. J'ai BF tout seul et je suis tombé. Ok. Non, la rien passera jamais, le frappe. Ça passera jamais, porte-le, mais il connaît pas le jeu. Gotha, oh mon dieu, il l'a abandonné. J'espère que tu t'en souviendras, Kin, moi je voulais te porter. Il t'a abandonné? Il va, ouais. Mais non, je savais pas, moi je. Y'a des mecs en face, Gotha qui regarde. C'est la même touche, mec. Doc, il fait des kills, je t'en supplie, frérot. Mort? Non! T'aurais dû laisser Skye! Skye! Mais non! Un seul kill! Mais non, parce qu'après moi. Non, toi t'es bien toi après! Bah non, j'ai dit. Tu laisses un kill après tu peux. Là c'est bon, je suis bien là. Mais t'as peur de qui? Bah de toi? Ouais, ok, je fais un kill de plus et je suis safe. Là, je te comprends, Skye, t'inquiète. Ça va vite, hein, vraiment, ça va c'est vite. C'est pour ça, ça va vite. Là, Gotha il prend 2 kills, il est devant moi, toi tu prends 2 kills, t'es devant moi. Après, normalement, si le karma fait bien les choses, logiquement on la perd et c'est moi qui paye du coup. Rugby, faut que t'ailles, là, Gotha il contacte! Mais je peux pas, il me tire sur moi! Faut que tu butes, frérot! Non, Gotha qui a encore fait un kill, miséricorde. Tu veux, j'arrive dans leur back? Ouais, vas-y. Ok, Gotha, attention, 90. Oh, double edit, ok. Un down. Le crack, blanc. Un down 100%.
Et c'est Dogby qui a eu un kill, attention. Oh là 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 là. Finalisé. Ok, je scanne, à partir de maintenant, je laisse tous les kills. Okay. Moi, je suis safe. Hop, c'est bon. Là, vous avez un Wallach. Vous avez un Wallach pendant 5 à 10 secondes. Gota qui fait dernier kill de l'équipe. Ok, toi qui en avait un. Dogby peut-être en avait un. Enfin, 6. Ah non, mais Gota, il a. Si tu lui, il a gagné, Gota. Non. Ah, mais Gota a 12. Allez, Dogby, tu peux le faire, Dogby. Tu peux le faire, Dogby. Il me regarde, Gota, il fait quoi? Non, non, t'inquiète, Gota, il. Ah, Gota, il perd en bœuf, il a pas peur, il a pas froid aux yeux. J'ai pas peur non plus. Oh oh oh, c'est un stress. C'est un stress pour les deux joueurs, les amis. En fait, faut que tu tues tout le monde pour être bien. Faut que tu tues tous les 3 derniers là. Mais il n'y a pas 3 derniers. Si, si, bah si, on si, est 6. Si. 3 derniers. Faut que tu tues les 3 derniers pour gagner. Un si Gota deux. Il en tue un, t'as perdu. Sur moi, je le full box, il est full box sur moi. Premier carré. C'est un free kill, c'est un free kill sur Skype. C'est un free kill sur Skype. Il est là, là, il est là en dessous là. Vas-y. Là. Dogby, let's go. Ok, c'est okay, Dogby, c'est pas fini. Dogby, c'est pas fini. Hein. Y'en a un sur la montagne en face nord-est. Gota, il part direct, mais quitte à prendre des dégâts de chute. Gota, calme-toi. Gota, il le tue, c'est fini. Gota, il le tue, c'est fini. Si Gota le tue, c'est fini. Y'a pas des pads. Va vers la gauche, va vers la gauche, Dogby, direct. S'il le tue. T'as fumé, mais tu le vois, Dogby. Let's go! Attends, let's go! Vas-y, c'est pas fini! Vas-y, c'est celui qui a le dernier qui a gagné! Vous êtes égalité! Attends, mais c'est toi qui paye, Kin là! Hein? C'est toi qui paye en fait! Ah, c'est forcément toi! Ouais, c'est Kin! Ah non, mais attends, t'as égalité aussi, non? Non, non, j'ai fait une rire! Ah oui, t'as fait une rire! Ah, c'est Sad, c'est moi qui paye du coup, j'ai trop le seum! Nord, est, est! Vers ta droite, il y a deux pioches là, Gotha, il y a deux pioches! Tu l'as vu, Dogby! Je suis un Stremont. Ça devrait être Gota qui paye, tu m'as tellement aidé gros. On l'avait dit, maintenant toi penses, c'est payé. Non, franchement, vu qu'il est mort comme ça, je propose que... Non, on garde les votes et on relance. Qui ne mérite pas de payer? C'est vrai qu'il mérite pas. Bon bah ça fait plaisir. On a sorti le maillot Vitality, mesdames et messieurs, là je me régale. Vous êtes beaucoup à avoir réagi aussi sur le maillot de Kin, justement. Kin. Une annonce peut-être Kin à nous faire? Ouais bon, c'était pas vraiment ça l'annonce, mais comme vous avez pu voir sur Twitter, moi je suis devenu ambassadeur MyProtein. Mais la deuxième, plus grande annonce les amis, surtout et pour ce soir, je vais vous le dire, c'est que je rejoins Vitality. Et moi aussi, c'est annoncé. Normalement le tweet va être posté sur le Twitter Vitality. Alors en tant qu'ambassadeur. Ah ouais, c'est bien ce que me disait. Kinstar répondra. Ouais. Même si Kinstar a repris la compétition sur Fortnite, okay. Il n'est qu'ambassadeur. Et on remercie Vitality pour leur confiance. Honnêtement, ça fait plaisir. Pourquoi Vitality Bon, il y avait un petit côté sympa chez Vita que j'aime bien. Parce que nous on s'est dit tu vas partir en Indé, mais en fait tu restes en Indé. Ah, dans quelle discussion Indé, je viens d'arriver, putain. Un mot peut-être, Gota, sur ces deux nouveaux ambassadeurs. Ah, bah bienvenue les gars. Vas-y, vous avez parlé de quoi là pendant que j'étais pas là? Ah, et l'annonce? Notre annonce. Ah, on est mieux quand même sans le dino là. Ah non, mais toi par contre, il y a vraiment marqué Dogby. Les gars, vous croyez qu'on rigole ou quoi? Toi, c'est. Non, c'est il va pas pouvoir faire le. Prochain joueur LOL, moi. Ah, c'est Capo, c'est Capo Char. Tu l'as pris en haut, c'est ça? Et j'étais mort de rire intérieurement. On rigole. J'étais mort de rire intérieurement. Et je voyais le chat, ils étaient full trigger. On rigole, je désengage tout de suite. On est lundi, on est là pour s'amuser, passer du bon temps. Et justement, bah, Kinstar, vous avez prévu un petit troll très sympa. Du coup, vous avez décidé quoi? Ah merde, c'est vrai qu'on devait décider. Non, et moi je propose. Non, peut-être pas parce qu'il y a déjà 150 balles de mine. Mais que les deux ils aillent tout seuls dans leur coin. Genre, et vous deux vous restez à deux? Ouais. Bah, nous on a le droit de vous suivre si on veut. Ok. Mais vous alliez. Donc, on va pas dans la même ville au spawn? Ouais, vous êtes solo quoi. Ah oui, donc t'es en x2 du coup aussi. Non, bienvenue. Non, non, ah bah non, si, bien sûr que si. Je vais remettre le costume. Ah bah, remets-le. Bah... Soit tu le remets rapidement, soit t'es en x2 aussi, mec. Ah, Gota? Non, mais il m'a fait mal, bon, il m'a touché du coup. Franchement, je vais venir sur le bot, hein. On arrive à la fin. Attends, mais il a toujours son shield, wesh. Ouais, c'est très tanky. Je pense qu'il doit avoir 600, 700 HP facile. Oh LOL. Non, s'il te plaît, gros. Ah bah gros, j'en ai rien à foutre, alors là. S'il te plaît, alors, oh, il a ramassé toi. Avec tout ce que tu ça a bugué, s'il te plaît, toi. Ah, ouais, gros, je me bats depuis tout à l'heure. Je comprends vraiment pas comment je l'ai eu, parce qu'il y avait un mur devant moi et tout. Mais là, tu t'arranges. Attends, il avec Epic Games. Bah, après, tu tires oh shit, help. C'est mon pote. Bon, vraiment, j'ai mis un piment, j'arrive. Ok. Moins un. Skite. Ouais. Vas-y. Non mais vraiment pas contre. Ok. Vers toi. Moins deux. Mort. Mais il est trop vieux ce pompe. Mais la vie de ma mère, vous me le donnez à chaque game, je vous carry les games. Eh, hey, splittez-vous, Skite. Tu fais quoi? Non, va pas avec lui, Skite. Skite, tu fais quoi? Mais c'est, tu dois être tout seul, c'est ça la règle? Ah. Bah non, comme ça il meurt, je reprends son pont. Ah, la règle, c'est... bah non, la règle c'est qu'il a le droit de me suivre, non? Bah non, mais là c'est là, toi qui es parti chercher. Ah non, t'as le droit de me suivre, mais t'as le droit d'être avec. What the fuck, qui m'a mis? Ah bah. Attends, il m'a mis combien son? Je pense que Gota est dans Gota, la sauce. Gota, y'a un mec qui m'atterrit dessus! Gota, ils sont pas mauvais, hein. Ouais, l'espace 12 et tout, ils sont très stack. Hein. Il a une balle? Après, l'aim de Gota, ça paye. Très bien. J'arrive, Gota. Je pense que je vais mourir. Hein. Non. Tempo, j'arrive. Il y a le temps de prendre ta carte. Ça va être chaud, hein. Au niveau du chapeau à droite. Là, ouais.
Oh le pixel, let's go. Ouais. Je viens de trouver. Oh tu t'as Skite. J'ai crack. Un 54 crack bro. Bah j'ai moi, je suis mort en fait. Vous êtes trop loin. Faut que je prenne la tiro. Y'a un HP. Ok. Les gars, je suis pas censé vous le dire, mais il y a une équipe qui vous arrive dessus, elle est énervante. Ouais, mais c'est des teams de Warrior, faut attention. Ouais, et je suis sur leur flanc, hein. Ils savent pas où je suis, mais. Ah, ils reculent. Ah, c'est des petites sassas. Non, c'est des petites sassas, ça back. Ah, vas-y, c'est ça. Il est bien, n'empêche, hein. C'est incroyable. Ah, il est courrier, hein. Il est vraiment pas mauvais en thème Dristand, hein. Franchement, choqué. Let's go. J'ai mis tout le monde low, j'ai envie de tout casser. Il y en a un qui a fui, non? Ouais, il y en a un qui a fui très vite. En fait, le problème, c'est qu'on paiera jamais si. Ouais, si on enchaîne les top 1. Il se passe quoi la plus personne parle. Les gars, qui a fait quoi? Les scores? Moi j'ai rajouté 2 kills. 10 kills. J'ai rajouté 1 kill. Je pense pas que ça va suffire. Je suis à 8. Non, 8 je crois. Sur le volet t'es à 7, mais après à vérifier avec moi, les stats. Moi je suis à 8 aussi. Soit on fait la règle que j'ai dit et le perdant paye la moitié. Moi je pense une golden last. Non, vu que c'est dur, moi je pense que vous partez avec 1 kill d'avance tous les deux. Vu que là vous étiez bien. On rajoute la somme, on rajoute ça à la somme. Attends, j'ai payé un million. Ouais, en fait le truc c'est que là le mec qui paye va payer sale. On rappelle, dans cette game, même si on fait top 1, on la paye. Keen et Doug partent avec 1 kill d'avance parce que là on était dernier avec Skite. En tout, on a 262 euros. Les deux games cumulés. Ça ouais. Va. Et moi, je redemande un x3 parce que là, j'ai fait une perf, mais. Non, t'es malade, ça quoi. Ça n'a pas de sens. Attends, ça n'a pas de sens. T'as fait 5 kills, frère. C'est juste que je connais. En fait, le problème, c'est que je connais la fin de l'histoire. C'est moi qui vais payer. Waouh, ça va être chaud. Oh, tu sais que. Je sarc. Tiens, y'a un mec sur moi. Oh non, on va me le voler. 3x18. Ouais, de ouf! Bah, en vrai, c'est nickel, on bougeait. Bah, tu fais ce que tu veux. Tu veux rester groupé, Gotha, ou chacun son coin? Bah, viens, mec. Ah, Skate, waouh! T'as joué, gros! Bah, King, pareil, hein! Ah ouais? Bah. Ah ouais, Gotha, c'est entre nous, je crois! C'est la merde, et toi, t'as un kill d'avance, gros, bon, moi, je suis dans la merde, là! Ah ouais, depuis quand ça avec Rose, ça? Oh, je suis dans une turbo sauce! La Skate, il déroule, hein! Tiens, ils ont des spas, nous et tout! Il est toujours dans sa construction. Non, il est contact à moi. Oh non, il a le pompe de sa mère. Il est trop nul, gros. La vie de ma mère, lui, il est low life. Gros, tu peux te mettre trop bien, Gotha. Oh, ils sont trop... Oh non. Oh non, misère. Il avait le pompe. Il était trop nul, il avait le pompe en or. Bon, bah là, hein. C'était écrit, les gars. C'est pour Keen tout à l'heure, hein. Là c'est Kiki. C'est Kota qui prend là. Donc il faut faire top 1 pour. Pour que ce soit divisé par deux, ouais. Ouais. Là c'est le top 1 pour la G-Corp. Je pense à un truc, c'est qu'il y a 3 games, il fallait penser à voter Master Kill Gotaga pour gagner. T'es ok. Et ça, je pense qu'il n'a pas vraiment. Je vais whipping. Allez, les gars, jouez votre game normal. Jouez votre game normal, les gars, proposez du beau jeu. Ils en sont capables, c'est Skite et Killstar. Ça fait partie quand même des deux meilleurs joueurs francophones. Killstar qui nous a fait plaisir de venir de Suisse. Il s'est pris 2 tests PCR dans la gueule en 2 jours. Je suis très sad. Killstar là, il a les narines, elles sont open. Actuellement, maintenant, c'est vraiment. Oh bah, eux m'ont l'air d'être très vénère, Skyter. Eux, pour moi, c'est les tryharders de la game. Hein. Oh bah. Oui, tryharders de la game. Ça va se jouer maintenant pour Gotaga, mesdames et messieurs. Mais on a Killstar et Sky qui vont tout donner. On va les gagner ce 2 contre 4 déjà dans un premier temps, mais il restera des joueurs derrière aussi. Armée organisée. Mais c'est bon. Eh ouais, les puants qui sont très gênants. Killstar qui est obligé de reculer. Hein. Attends, Skyter qui prend la position, qui prend les informations pour son coéquipier. Oh, c'est beau ce qu'il vient de faire Killstar là. Beaucoup de dégâts infligés sur son adversaire, mais faut le finir. Faut le finir avant qu'il se regroupe, avant qu'il se soigne. Non, mais. Et ouais, c'est le problème parce que maintenant Skate est tombé au sol, Killstar est tout seul 1 contre 11. Va-t-il le faire? Le joueur Vitality. Oh, je sais pas. C'est mon rêve de dire ça un jour. Oh, il tryhard tellement. Ah, ouais, vous l'avez senti tout de suite. Hein, ah, mais c'est un E, c'est la squad 48 explosifs, sa com et tout là. Y'a plus le mode arène en squad? Non, c'est qu'en trio. Ah, du coup, y a des mecs qui veulent jouer à 4 et du coup qui lancent un MM normal? Sûrement. Genre là, après, ils sont pas très forts, mais ils tryhard. Oh, le turn. Est-ce qu'on va se prendre une totale de Gotha? Peut-être, mais Killstar pour l'instant on n'est pas trop d'accord avec ça. Killstar, c'est failli, ça a failli. Non, 39 HP. Aïe, le top 4. Ah, c'est comme ça, c'est le karma. Comme quoi il fallait voter Gotha. Ouais. Alors là, je pense qu'on est tous surpris, même si non, on n'est pas trop surpris. Il revient pas avec 2 semaines de training. Donc félicitations, on va calculer la somme, mais on va surtout découvrir. C'est quoi la somme? Gagnant 337. Ah ouais, y a pas divisé par 2. 337. Allez, une qui te double les gars. Là, techniquement, on lance la dernière. Allez, x10 pour terminer, parce que juste après, il y a le Royal Rumble. Il
Il est 22h19, t'as dit 22h30. Hein. Ouais, on peut dépasser jusqu'à 45, t'inquiète. Moi, je propose, on garde les sommes. On est quand même sur 80 balles. C'est une très belle somme. Hein. Ouais, c'est déjà 80 balles. Et là, tu pars avec 2 kills d'avance, tu pars avec 1 kill en plus et nous, on a 0. Vas-y. Et on en reçoit 3 tous les deux avec Gotha. Non. Okay, en vrai, vu l'avance que vous avez, vous êtes en x3 x5. Oui. Oui, monsieur. On pouvait l'inviter des fois, j'avais des games, j'avais plus de kills que lui et tout. Bien sûr, ça se tenait. Et là, je suis son petit toutou, je suis son petit bolos. C'est normal quand tu joues plus après des années. Ça fait des millions d'années que t'as fait. Ouais, mais c'est quand même mignon pour l'ego, tu vois. T'entends bien. On peut pas. Mais gros. Bah ouais, mais regarde-le. Ah, ça a été mort. Oh fuck. Bah ouais, Kat a campé dans le même bot. Bah j'ai voulu venir, gros, mais j'étais un peu late et il a fait le bâtiment que je voulais faire. Après, Skate, il a de l'avance, lui, il est pas inquiet. Bah non. T'as il a 2 kills, gros. Faut juste qu'on en fasse un. Faut juste qu'on en fasse un, gros. Non, ce serait les trucs que tu disais quand même de faire VS Skate là-dessus. On va voir le Skate Boudeur avant le Royal Rumble. Non, Skate. Non. Tellement pas. Je te fais lever la cam de Skate. Sa tête, elle est incroyable. Donc, du coup, dis-nous, Skate, t'as combien de points, toi, du coup, actuellement? Bah, toi, 0 pour le moment. J'ai un truc, elle est comme ça. Il a vu que tout le monde veut l'agresser. Vas-y, tue tout le monde lui aussi. Il est trop fort au jeu. On a pas marre d'être fort? Oh, nul, arrête. Oh, toi, avec Bi, je vais tout faire pour te ruiner. Non, non, on est ensemble. Non, mais y'a Gotha en fait avec moi, j'ai pas capté. Oui, j'ai moins 104. Tu pas la dog, pousse pas. Je sais pas pourquoi, je le sens vraiment pas le combat. Bah, c'est marrant. Il se bat en rouge, quoi, non? Il va s'en sortir, Skate, ça va, c'est horrible. N'importe quoi. Ça va faire un kill. Mais je vais jamais faire un kill, frère. Et bien sûr, viens m'aider aussi. Si on les fait les kills, si tu viens m'aider. Ma carte est récupérable, ça fait un point, Dogby. Ça, c'est vraiment pas con. Et pas sur l'ennemi, là, tu te diriges en fonction de l'ennemi, là. Toi, direction de l'ennemi, là. Là, ta carte. Tu la prends, Gotha? Gotha va la prendre. Ok, nice. News. Ça fait un point pour Dogby. Cover stop, les Gotha, me laisse pas canner. Ah, mais le truc, c'est que du coup, t'auras aussi un point, Gotha, par la même occasion. Oui, j'ai un point. Moi, je sais que je suis safe, c'est pour ça que j'ai ramassé. Je suis pas encore safe, hein. C'est que un point. Non, c'est pas un point. À mon égalité. Ouais. Égalité. Oh, et je prends des creux, tu vois. Mais tu vas dans la zone, je tiens bon. Est-ce que j'ai le choix? Bah, prends un véhicule à droite, le camion à droite. Gotha, j'ai une voiture. J'arrive, mec. Bon, ok, moi, je suis safe. Ça se joue entre toi et Skate, mon ami. Dogby, monte dans la voiture. Si les camions shield sont encore là, on se met à 200 HP tous. Oh, ah bah. What? Oh bah vas-y, partons, ta France. Trace. Oh, Kin, il veut faire payer Skate. Quel chien. S'il te plaît, meurs pas, Kin. Ah, bah, oh, wow. Je mets bah, aucune balle avec. Hein. Dogby, pardon. Non, je les ai, je suis dans leur dos. Ouais. Ouais, c'est mort. Oh, j'ai pris des squats dans le front. Il connaissait la fin de l'histoire. Oui. Le Pierrefeuille. Oui. Mais fallait venir avec nous. Pourquoi Pierrefeuille? Égalité. Non. Bah non, il est à 2 points. J'ai 2 points. Pourquoi t'as 2 points? Bah parce que j'ai fait 2 kills. Mais il a fait 2 kills là. Bah là, il y a game d'avant. Non mais on a dit que t'avais 1 point. Ouais, mais en général. Ah non, j'ai pas fait peur. Non, c'est le Pierrefeuille. Ah non. Bah non, mais là, il a fait 1 kill et là, il avait son kill de base. Non, j'ai pas fait de kill. Il a pas fait de kill. Il essaie de suivre, t'es con. J'ai 8 kills. Bah non, c'est pas comme ça. Il y a que Kin que je peux croire ici. Non, bah non, j'ai dit, moi aussi. C'est vrai que t'étais honnête. Mais pour le coup, vu que j'étais honnête, vu que j'avais 2 kills la game d'avant, et que je suis allé à Lazy. C'est pour ça qu'on a été clair en lançant. Merci, Doug, pour payer. Mais en vrai, moi, j'aime bien le Pierrefeuille Ciseau. Tu veux pas faire un 1v1? Oui, Skate, oui. BO1. Moi, je te conseille BO1. Moi, ça me va. Ouais, moi, je te conseille BO1. Merci pour cet entraînement régulier. Ah, c'est censé gagner. Oh lolo. Mais en fait, j'ai quand même le seum de pas avoir fait un kill, quoi. On tire le gagnant, Skate. C'était un petit mot à lui dire parce que je vois que t'es très heureux de voilà. Les 200 euros, Skate, ça sera pour Nico. Nickel, Nico. Merci, Florent. Nico, déjà toi, bravo. Bien joué, Nico. Bon. Solide. Et mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce Master Kill. On va faire les comptes. On va vous préparer la set. Oh là là, si tu fais top last au Royal Rumble, Skate, tu seras venu pour un test PCR, 200 balles en moins. Je suis venu pour un test PCR, perdre 200 euros. Au moins faire un récap. Kin, il part comme d'hab en mode. T'as déjà payé à Master Kill, non? Oui, 15 euros. Et quand même, 337 euros pour Gotha. Quoi? Mais tu t'en sors super bien, ce que non, je te dis. Je vois pas 44 super euros. Bien. Mais si, t'as payé que la première game. Mais c'est incroyable. Mais oui, t'as full gagné la soirée. Waouh! Ok, 0 euros pour Kin, comme on vous l'a indiqué, et 200 euros pour Skate qui a perdu la DER. Incroyable, merci à tous. Je suis là, je dois payer 337 balles. Il t'habille en dino, il paye 44 balles. Dinosaure! Let's go!